Je me rends compte que, hein, j'ai pas fini de me coiffer. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Aujourd'hui, on se retrouve pour un haul et première impression Colourpop. Alors, dans ce, et je vais appliquer quelques-uns de ces produits, mais juste avant, j'ai reçu le mystery bag que je vais ouvrir dans une autre vidéo qui va apparaître. Soit avant, soit après ce haul. J'ai pris, c'est le pas intéressant du tout, c'est le crayon à sourcils que je porte depuis toujours. Le Bengay Brunette, c'est le Precision Brow Pencil. Parce qu'il m'en reste que deux. Un et demi. Et je fais des stocks. À chaque fois que j'en ai un qui est terminé, j'en rachète un autre dans la prochaine commande. Parce que c'est mon favori. J'ai dû en finir comme 10. Là. Ensuite, je me suis procuré, alors il y a eu un accident, It's My Pleasure palette. J'annonce que la prochaine va être verte. S'ils ne font pas vert, je ne sais pas quoi faire. Petit accident de la route. C'est l'hécatombe. La couleur du centre est pétée. Mais on va faire comme la satisfaisance. Oh, satisfaisance. Oh, non, non satisfaisance. Ah. Voilà. Donc, la couleur du milieu, c'est Earth Shine, qui existe déjà en mono, donc c'est un peu moins grave. Mais bon, quand même, c'est dommage. Mais on va faire un tuto avec ça aujourd'hui. J'ai pris un concealer. Alors, je sais pas comment j'ai choisi, mais j'ai pris comme... C'est quasiment aussi blanc que mon chandail. Je sais pas comment j'ai choisi. Ah oui, quand je l'ai vu, j'ai vérifié sur le site. J'ai dit, est-ce que j'ai vraiment pris cette couleur? J'ai pris Light. Light 10. On s'entend que c'est weird. Peut-être que je l'avais pris pour faire un cut crease. Et non pas en concealer. Ce qui expliquerait bien les choses. Mais ça fait longtemps, hein, vous savez. Entre le temps où tu commandes et le temps que ça arrive, c'est à peu près 3 semaines de délai. Donc, ça se peut que ce soit ça. Nous laisserons au moment voulu. Et puis, ils ont sorti des blur lipsticks. Alors, étant donné que je n'étais pas sûre de les aimer, j'en ai pris que 8. Bon, je vais tous vous les swatcher. Vous ne serez pas venus pour rien. Alors, j'ai Vignette. Alors, d'après ce que j'ai compris, c'est un rouge à lèvres que quand tu le mets, c'est pas genre trop pigmenté, que tu peux avoir comme le contour un petit peu estompé. Je sais pas. Alors, ça a l'air mat de chez mat sur le bâton. Je sais pas si vous pourrez voir à quel point ça a l'air mat. Donc, je commence avec la couleur Vignette. La couleur CA Love. Après Science, qui est la couleur sur la boîte. Mais, enfin, après, on s'en fout parce qu'on la jette. Hein. Qui est un peu plus marron. Crème Fresh. Je ne vous cacherai pas que celui-ci, je l'ai pris parce que le nom m'interpelle. Parce que qui n'aime pas un peu de crème fraîche sur sa face? Je ne sais pas. Il a l'air d'être tremblotant dedans. Est-ce qu'on peut dire un nous d'oranger? Peut-être. J'ai aussi pris Solo. Ok, lui aussi je l'ai pris pour son nom. À cause de Star Wars. Et aussi parce qu'il est super joli. Et puis... All Tea. Alors après, je pense que c'est des couleurs d'été, hein. Les 4 derniers. Vous allez me reconnaître dans ces couleurs-là. Ulti. Super Bloom. Qui était comme le premier que j'avais spoté. K-Bop. Qui était le deuxième que j'avais spoté. Parce que orange... Et celui qu'on va utiliser aujourd'hui parce que ça va faire un look monochrome, ça s'appelle Sorry Not Sorry. Et voilà les couleurs que j'ai prises. Je commence par vous approcher.
Je passe mes journées à éditer des vidéos, je pars demain. Je dois vous dire qu'il y a une vidéo. Alors, je sais pas si quelqu'un va le remarquer ou pas, mais j'avais fait une première impression sur une palette de Colourpop qui s'appelle Rendez-vous. Et dedans, il y a une palette, il y a un fard qui est très mal pressé et il est foncé, il est genre Bordeaux foncé. Et j'ai pas vu à la fin que j'en avais partout sur le décolleté, je m'en étais mis sur le visage et tout ça. Et j'ai filmé une seconde vidéo de même. Je l'ai vu parce que je le sais, mais je sais pas si vous le verrez aussi. Je vais essayer de m'enlever ça avant de me salir au complet. Je vous délecte de ce swatch de professionnel avant. J'espère secrètement que ça n'a rien à voir avec les ultra blotted lips que je n'aime pas. Il y a des produits de Colourpop que je n'aime pas, je vous jure. Je vais faire une vidéo, j'ai préparé une vidéo au sujet. Passons aux choses sérieuses, donc je prends It's My Pleasure. Ça m'emmerde qu'il y ait du fard partout, mais bon. On a un beau fard avec des paillettes à l'intérieur. Des paillettes qui ne servent à rien. Je vais me servir de ce fard pour faire ma couleur de transition. Ça s'appelle Pretty Cruel et je trouve qu'il s'apporte très très bien son nom. Je vois un thème de vidéo passer assez souvent en ce moment, que je trouve super marrant. Je me demandais si ça vous intéressait de le faire aussi. C'est ce que mes abonnés pensent de moi. Je trouve ça cool à faire. Et que si vous voyez la requête passer sur Instagram, ne soyez pas surpris. Je trouve que c'est un bon moyen de discuter. Bon, il y a des paillettes qui traînent là, mais rien qui va rester 100%. J'ai du primer dans les sourcils. 100% sur moi. Je sais, je le sens. Je vais prendre la couleur Kittenfish ici. Avec le même pinceau, je vais appliquer ça ici. Ouh! C'est un pastel qui se voit. Ça, c'est la préscience. Toujours avec le même pinceau, je prends la couleur Fan Fiction. J'aime bien le quota mat et irisé métallique. Il y a 1, 2, 3, 4 et demi mat. Le demi étant le fard paupière mat avec des paillettes dorées qui ne se voient pas. Et 1, 2, 3, 4, 5 irisé métallique. Elle me fait penser à la... Huda Beauty Precious Stone. Non? Et comme un air de famille. Je vais prendre la couleur Sleeper. C'est très pigmenté, lui. Faites attention. Je cut mon crease à calcium. Ensuite, je prends la couleur. J'ai envie de prendre la couleur Sandman. Parce que j'ai aucune idée à quoi ça peut ressembler. Je ne mets pas d'eau dans mon pinceau pour le moment. Oh. C'est beau ça. Ensuite, je tourne mon pinceau. Et je vais mettre la couleur qui s'appelle Do or Do, qui est celle-ci. Oh, que c'est beau. Je vais faire mon teint. Je reviens. Ma palette, elle est tombée, tout est cassé. C'est l'hécatombe. J'ai sauvé ce que j'ai pu. J'ai réussi à voir Sandman. Lui, il est fichu et Earthshine. Et tout est dans le désordre, bien sûr, parce que quand ça tombe, j'ai comme tout ramassé vite, vite. Bref, je pleure à l'intérieur, ok. Mathieu était super gentil. Il est venu me voir tout de suite. Il m'a dit, ah, qu'est-ce qui se passe? Puis on a essayé de ramasser les trucs, mais...
le jour où elle tombera en solde, la palette, je vais la prendre. Parce que je peux pas avoir une palette incomplète. Je me sens pas complète. Voilà. Donc j'ai ramassé un crayon mauve. J'ai aussi ramassé ce petit produit de Lime Crayon que j'ai jamais mis. Il s'appelle Acid Fairy, c'est un Diamond Crusher. Je voulais le mettre en... Tu sais, comme j'aime bien faire. Mais avant tout, je vais smudger le crayon violet couleur Purple Stiletto ici. Et ici. Cette couleur est folle. Je vais donc prendre le Diamond Crusher et je vais essayer de prendre un pinceau qui fonctionne. J'ai acheté celui que Marion Camelon utilise tout le temps. J'ai essayé une fois. C'est vraiment pas mal. Oh. Bah, t'avais pas vu toi? Bon. Oui. Bon. Encore? Je peux pas mettre un eyeliner là comme ça, madame. Ok. Bah écoute, je vais essayer. Oui. On ne montre pas le cul aux gens, encore une fois, madame. Finalement, la couleur est un peu trop ressemblante à la couleur du fard à paupières pour que ça se voit vraiment beaucoup, mais... Ça apporte une belle dimension. Oui, je disais donc, le pinceau que Marion Camelon utilise est bon, mais je suis pas habituée à quelque chose d'aussi souple, en fait. Et j'ai aussi essayé l'eyeliner de Suva Beauty. Je dirais que ma première expérience a été un peu mitigée. C'était pas évident. Je pense qu'il faut apprendre à manipuler ce produit. En même temps, je me suis pas donné de chance vraiment parce que j'ai essayé ça genre le matin à 6h avant d'aller au travail. J'avais genre une demi-heure pour faire tout mon make-up. Stress plus découverte. Je ne mets pas de couleur de highlight. J'ai fait mon teint. Voyons. Je vais passer au rouge à lèvres. Voir ce que ça donne. Alors, c'est un blur lipstick couleur Sorry Not Sorry. Nous allons avoir une première impression. C'est quelque chose de très léger. Mat. On dirait comme un effet poudreux en fait. Moi, c'est ce que j'avais pas aimé des ultra blotted lips. C'est qu'on sentait trop la poudre sur les lèvres. Et du coup, j'avais les lèvres super sèches tout le temps. Mais là, c'est hydratant. Donc, c'est comme... pour moi, la version améliorée. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez utiliser ou pas? J'essaye avec une seconde couche. Ça se layer très bien. C'est pas épais. Et ça apprend le lâcher prise sur le contour des lèvres. Franchement, j'adore. Bon, malgré la catastrophe, franchement, j'adore cette palette. Elle est vraiment très cool. J'ai eu aucune mauvaise surprise. Ça reste, à part Pretty Cool, qui est un mat avec des paillettes. Je vais le dire toute l'année, je le sais, je vais le dire toute l'année. Très cool ça, ce produit de Lime Crime, très contente. Et Sorry Not Sorry, franchement, j'adore, je suis vraiment très fan. Dites-moi ce que vous avez préféré, est-ce que vous songez vous procurer ce genre de produit? Est-ce que vous les avez déjà? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez le même avis que moi ou pas du tout? J'ai hâte de vous lire, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Pour ne pas manquer ça, clique sur mon visage ici. Active les cloches, je suis là 4 fois par semaine, les dimanches, lundi, mercredi et vendredi. Je remercie toutes mes marraines et mes parrains de sponsoriser cette chaîne. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Bye!